le vaisseau va exploser, hop. C'est trop bizarre qu'il explose de façon différente alors que c'est censé être le temps qui recommence. Mais d'ailleurs, question. Comment est-ce que ils ont établi un refuge là-bas, sachant que le sable il monte? C'est-à-dire qu'il descend à un certain moment le sable? Ils auraient Ligne de forcément une droite. sortie rapide. Là, j'ai envie d'aller voir Sablière Noire du coup. Parce qu'ils ont parlé beaucoup de Sablière Noire là. Là, ça voit, hein. Bien sûr. Là, ça voit. Tout ceci est des questions rhétoriques, bien sûr. Merci Foxyferne pour les 17 mois, merci beaucoup. Tontin DLX pour les 14 mois. Obi-Wan Elodie les 3 mois. Rire de droite. Ok. Mais en fait, ils ont rien dit sur Sablière Noire? Laboratoire de haute énergie, la capsule de sauvetage, la cité obscure. Il reste des choses à explorer ici, ça veut dire ça le petit truc là. Là, ça veut dire que j'ai tout fait. Là, ça veut dire que c'est full à explorer quand c'est orange comme ça. Et quand c'est blanc comme ça avec une petite étoile, ça veut dire que j'ai déjà exploré, mais que j'ai pas full exploré. C'est ça? Je crois bien, c'est ça. Le fossile de Sélacanthe, oui. L'accès depuis la caverne Ogier est difficile à distinguer, sauf si on donne d'abord une lanterne au Sélacanthe. Ouais. Oui, il y a marqué en dessous du texte, oui. Mais je voulais être sûr par rapport aux légendes que je voyais. Mais en fait, moi là-bas, je voulais aller au laboratoire, mais en fait, c'est pas ça du tout ce que j'ai trouvé. J'ai juste trouvé la capsule de le sauvetage. Ça veut dire quoi ça? Quand je fais ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. On va y retourner. Dans tous les cas, nous allons y retourner. Hop hop hop. Ok, sablière rouge. Donc sablière noire, ça doit être un truc qu'on fait les nomailles là. D'ailleurs, c'est quoi en dessous là? C'est un autre trou noir? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bon bref. Ah, il y avait un trou noir là. Il y en a un là, ouais. Complètement. Enfin, non, c'est pas un trou noir, c'est une lune. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas un trou noir, c'est une lune ou une planète, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Je suis curieux, hein. Je l'ai pas vu avant, donc j'ai envie d'aller voir. Que je pense que tu peux le voir que limite au début parce que je pense que ça se fait engloutir assez vite ce truc. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis curieux. Qu'est-ce que c'est que ça? What is this shit? Merde, 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 non, j'ai fait de la. Il est où? C'est ça? Non! Il est où? Non! Je l'ai perdu. Je l'ai perdu de vue. Merde, putain. Je suis vraiment une sombre merde. Non mais barre-toi, barre-toi, barre-toi. Où est le truc que j'ai vu tout à l'heure? C'est ça? Non, ça c'est autre chose. Non, ça c'est gravité. Ça c'est mon... Putain, le truc a disparu. Ou il est de l'autre côté, peut-être. Merde. Le truc a disparu, quoi. Non, je suis sûr que c'était bien. Je suis certain que c'était super. Alors, je tourne un peu autour histoire de voir, mais je pense que ça s'est fait manger. Ouais, c'est plus là. Bon. De vue un corps CS, c'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud.
Bonjour Gravité. Bonjour Gravité. Je ne souhaitais pas spécialement te visiter aujourd'hui. Mais voilà que... Voilà que... Mais c'est quoi ce délire? Je vais me jeter dans le canal, hein. Oh merde, mon vaisseau. Mon vaisseau! Oh bah c'est sûr, il va beaucoup moins bien marcher maintenant! Bon bah, on est obligé d'aller sur Gravité, hein. Du bol, t'avais ta combi. Ouais, du bol. En vrai, je pense que je vais me laisser crever, hein. Gravité, qu'est-ce que j'ai encore à foutre, ça... plein de choses, je suppose. Hein. Sur Gravité, là. Putain, je me suis pris Gravité en pleine gueule, quoi. Putain, elle est là? Je sais plus. Attends, voyons voir. Ah, ça me dit rien, hein. Hop, 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 hop. C'est ok. Merci Mia 3008 pour les 16 mois. Merci beaucoup. Bon, une expédition qui n'a pas servi à grand chose aujourd'hui. Merci Skyhard Pro 68 pour les 7 mois et voilà, le truc explose. Masterclass, hein. Masterclass. Ok. Ok. Merde, c'est où? Là. Y'a pas l'autre planète là? C'est quoi ça? C'est son bronze, ça. Merci le chevalier au lion pour les 28 mois, merci beaucoup. Le truc qui explose, on sait ce que c'est déjà ou pas du tout? Le soleil là? C'est le notre soleil. Sablière noire. Sablière noire. Détends-toi, sablière noire. Détends-toi, sablière noire. À la cool, hein. À la cool. Ok, alors où est leur laboratoire à la con Ah, c'est ça, c'est ça ce que je voyais. Calme-toi. Doucement. Merci à tous. C'est ça ce que je voyais. Comment ça se passe par ici? Oh. Lancer un guetteur? J'aimerais bien aller en dedans là. Mais comment je fais là? Par là? Comment ça nous en fait ça? Non. On s'est relié à ça. Oh, il y a de la matière fantôme. Grotte du crash, 60 mètres. Ouais, j'ai pas envie d'y aller du coup. Cité obscure, 120 mètres, ouais, bah alors là, ok. Remonter. Oui. Ouais. Laboratoire des hautes énergies, ouais. Ah, mais en fait... D'accord. D'accord, c'est pour ça. En fait, t'as l'autre planète, là. La planète jumelle, elle lui balance du sable H24 sur la gueule. Cité obscure, je connais le dos, hein. Je connais le dos, ah. Cette porte devra rester fermée quelques temps. Pi et moi, nous conduisons une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du Trou Blanc. Rami et moi, nous poursuivons l'expérience jusqu'à ce que l'une d'entre nous, moi en l'occurrence, puisse prouver à l'autre... qu'elle a tort. Par conséquent, même si cela n'est pas très arrangeant, seul l'accès au laboratoire depuis la cité obscure est ouvert. Oh.
Permettre au sable de s'inviter interférerait dans notre dispositif et pourrait avoir des conséquences de taille. Nous avons bien conscience que le résultat pourrait être intéressant, mais la porte doit rester fermée quand même. Mise à jour, le laboratoire des hautes énergies sert désormais à la conception du projet Sablière Noire. Si vous êtes là pour apporter votre aide, ou même en tant que simple observateur, vous voulez emprunter l'accès via la cité obscure. Mais du coup, quand je suis de l'autre... Est-ce qu'elle me balance tout le temps du sable, ou moi je lui en balance aussi quand je suis de l'autre côté, comme un sablier, justement? Du coup, faut que j'aille à la cité obscure, hein, encore. Sauf que pour aller à la cité obscure, il m'avait dit de passer par là-bas, ou pas? Ah non, il y a aussi un autre chemin, là, c'est quoi ça? Ah, c'est encore un TP, ça. Rien. Rin. Rin Dut. Ok. Ça, c'est leur capsule pour revenir à la cité, je crois. Ah oui, mais pour y aller, je m'en souviens plus, c'était l'enfer. Parce qu'en fait, il y avait l'autre passage qui avait l'air plus rapide, mais sauf que, bah... Sauf qu'il y avait de la matière dégueu, là. L'horrible matière. Bon, on va le speedrunner, on va le speedrunner. On le speedrun. C'était par où, c'était? Par là. Je me souviens. I remember. Ok. Ok. Ok, là fallait tourner à gauche. Il fallait tourner à gauche, puis là fallait monter. Tac. Speedrun, hein, speedrun, speedrun. Ok, là fallait faire ça. Puis passer derrière. Enfin ici, fallait aller en face là-bas. Bien. Puis passer derrière. Et nous y voilà. Ok. Donc pour le laboratoire, est-ce que c'est indiqué là-dessus? Attends, je récupère de l'oxygène. Très bien. C'était quoi? Quoi non traduit? L'hôtel de l'œil? Comment ça non traduit? J'ai déjà traduit toutes ces merdes. Ok. Merde. Putain. Le sable est déjà en train de monter, mais il faut que je fasse comme ça, c'est ça? Je ne sais pas. Peut-être. Non. Non, c'est de la couille. Où est l'entrée? Ah, mais dis pas que c'était ça pour y aller. Ah, probablement que si. Putain, déjà le sable! Mais je peux pas y aller du coup. Merde! Putain, mais il faut y aller grave vite en fait. C'est seulement possible? Probablement oui. Ah merde! Bon, du coup, on va essayer de s'occuper du sélacanthe de ces morts là. Tac. Putain, j'ai quasiment plus de. Du coup, c'était ça, le truc du guet. Secteur du guet. Du guet, ouais. Ça. Moi, j'y suis pas encore allé. Je sais pas trop là, tu sais. Je sais pas trop où est-ce que je vais là. Rire de droite. Par là. Ouais. Je sais pas. C'est le labyrinthe.
de Selakanth ce soir, je vais donner une nouvelle lanterne située à la caverne du guet, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du Selakanth à présent. Ma gratitude, cela nomme une chance que tu sois assez petit pour pouvoir te grimper dans le trou. Ouais. Moi aussi, je peux encore le faire. Ouais, ok. Mais alors du coup, c'est où? Ah merde. Bah merde. Ah mais ça, c'était l'autre côté. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, je crois. Je suis complètement paumé. Ah oui, j'ai fait de la merde. Du coup, je suppose que c'est dans cette caverne-là, et un autre chemin, peut-être. J'ai fait un tour complet, en fait, là. Ok. C'est un jeu d'horreur? Pas du tout. Oh non, c'en est pas. Peut-être par là? Pas trop l'air, hein. Est-ce que c'est déjà trop tard pour laisser la cante? Par rapport au sable? Ou peut-être que je monte? Mais je pense pas. Hein. Non, il me revoit là au même endroit que tout à l'heure, quoi. Le trou est trop petit. Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'il était trop petit pour eux, mais pour moi, voilà, vu que c'était une autre race... Peut-être que je peux y aller, quoi, mais sauf que je sais pas où il est. Ah, je suis complètement... Oh non, le carburant, et c'est déjà foutu, quoi. Ah, là, je suis paumé, là. Surtout que là, le carburant, je peux rien y faire. Et je peux pas vraiment me barrer. Le sable s'en va ou c'est complètement mort? Bah j'en sais rien, non, je pense que c'est complètement mort. Hein. En vrai, faudrait que j'aille sur l'autre planète pour... parce que là, sur le sable, c'est un peu casse-couille. On va pas se mentir, là. Et donc oui, là, je suis allé de l'autre côté tout à l'heure, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, j'étais de l'autre côté là-bas. Mais attends, mais je suis pas allé là, je crois. Si? Si, c'est là d'où je viens. Oh, attends. Oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. En casque VR, ce jeu ferait bien peur. Ouais, je veux bien le croire, effectivement, à ce niveau-là. J'ai pas trop quoi foutre, là, en fait. Parce que là, je vais me faire submerger en tous les cas. J'ai plus de carburant. J'ai plus de carbu. Carburant, quoi. Ouh, comment fais-je? Kevin Feige. Ouais, je sais pas trop. Hein. Reviens en arrière, ouais, mais là, c'est... De toute façon, j'aurais plus l'oxygène, je peux plus rien, enfin... Ah, c'est ici, là, je peux... Ouais, c'est l'oxygène qui va être utilisé, mais c'est trop tard. Ouais, non, c'est... Je peux plus. Je pourrais mourir facile, là, ou pas? Parce que... Là, je peux plus rien faire, en fait. Hein. Ouais, je sais pas ce que je dois faire, là. Terrible. Toi écrasé, bah ouais, mais je sais pas où en fait. Je dois me suicider. Sinon j'utilise tout mon oxygène. Hein. Bah, je gâche tout mon oxygène. C'est ultra punitif quand on loupe mon timing, ouais. Ouais, ça devient. Et du coup, faudrait que je retourne là-bas ultra rapidement. Succès déverrouillé un peu juste. Enlève ta combi, mais je crois pas que je puisse le faire. Et si c'est à mode pour les 6 mois? Hugo Jojo les 5 mois, merci beaucoup.
va y avoir un moyen de stopper le sable, c'est impossible sinon. Je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que je suis intéressé par l'autre planète en vrai, j'ai envie d'aller la voir. Surtout qu'il y a l'air d'avoir moins de trucs dessus. Après, c'est possiblement des sables mouvants dégueulasses. Hein. Il y a une solution très proche, c'est frustrant. Et bah oui, comme ça. Très bien, allons-y. Let's gong. Vas-y, je vais aller sur... Où est-ce ? Attends, qu'est-ce que je vois là-bas ? L'intrus. Ah mais il est super loin. Je vais aller sur l'autre. Je vais aller sur Sablière Noire. Y'a pas Jean-Michel Trou Noir ? Enfin, Jean-Michel Petite Planète inconnu là. Brutal, mais c'est bon. Donc sablière noire. Oula. Oula. Pas ouf la gravité de celui-là. Ok bro, ok, en fait y'a rien. Bro. 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 Je souhaite reviens dire. Oh, c'est bon. Je suis peut-être un peu mis en orbite. Y'a rien dessus en fait. Attends. Comment la pire planète ? Juste une planète casse-couille quoi. D'ailleurs, mais où est l'autre planète en fait ? Où est Sablière Rouge ? Là. Ma fusée est sur, sur Sablière Rouge ? Elle s'est fait prendre dans le... Merde ! Non ! Elle s'est fait prendre dans le sable ! Bon, vas-y, j'ai envie de le tenter. Vas-y, montre-moi. Oh non. Oula, tout va bien ? Où est-ce que ça emmène ce truc-là ? Directement ici. Limite au faible, comment ? Ah oui, merde, ça fait très mal. D'accord, donc ça, ça tue. Ok. Sablière noire, c'est pourri. C'est pourri, sablière noire. C'est nul. C'est nul. Sablière noire, c'est nul à chier. Pourri. Allez, on y retourne. Faut aller vite dans la cité de ces morts, là. Sinon, je pourrais pas accéder au laboratoire. Attention. Où est la connasse ? Allez. Ok, c'est parti. Merci Olfic pour les 6 mois, merci beaucoup.
voir qu'il vient casser les couilles. Comme d'hab. Casse-toi, personne ne t'aime. Attends. Où est le truc? Où est le vaisseau? Là. Je vais trop vite. Calme-toi, calme-toi. Non, en plus c'est pas bon. Ok, je vais faire le tour, je fais un petit tour. Je fais un petit tour. Où est-ce que c'est? C'est là. Putain. Non. Putain, mais c'est... Ah voilà. Ah, c'est beaucoup plus simple comme ça, bien sûr. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Vite. Merde. Putain. Vite. Je connais par cœur. Non. Non. Non, j'ai voulu aller trop vite. Debout. Non. Non. Putain. Non. Merde. Putain, c'est... Ah, mais attends. Oh. C'est un raccourci de fou. C'est le fou là. C'est insane. Ok. Sablier rouge et 10%. Ouh. Okay, bro. Allez. Ouvre. Pas passé. Lequel? Oui. Ok. Ok, c'est par ici. Rapide et véloce. Rapide et furieux. Non. Putain. Ah non. Non, comment je fais pour passer là? Faut que j'aille vraiment haut. On ne peut pas passer avec ça. Il faut que j'arrête le sable. What? Je ne peux pas passer. Dès que j'ai... Peut-être que j'attends qu'il soit monté. Non, c'est impossible. J'ai déjà bientôt plus de carburant. Peut-être juste attendre que le sable monte, hein. Ouais, probablement. C'est probablement ce que je dois faire, mais ensuite il va falloir que je speed de fou, là. Ouais, dites rien, hein. Ok. Oh, attends. Je vois rien. Heureusement qu'il y a la lumière bleue. Don't you run when you see the blue light. Ok. Ok. Ça te fait chier. En plus, il y a des trucs piquants, là. Putain. Non. Vraiment... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non! Laissez-moi passer! Laisse-moi! Mon oxygène.
Oh non, je suis dans la sauce. Je vais crever. Et qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mon oxygène. Mais non, mais je peux pas passer par là? Par là? Oui. Oh non, je vais crever à cause de l'oxygène, j'y crois pas. Ok, ok, ok. Alors peut-être. Alors peut-être. Putain. Non. Non, non, non. Oh, je suis trop déçu. Ouais. Tu vas crever. Ouais. Putain. Comment j'ai... Ouais, c'est ce qu'il faut faire, hein. Ok, faut attendre que le sable monte à cet endroit-là. T'as mis au secours. Terrible, terrible, terrible. Ah, j'étais si près, hein. Mais comment ça se fait que j'ai perdu autant d'oxygène? C'est le sable qui m'a fait ça, hein. Il y a une lune qui a disparu, là. Il y avait une lune, j'ai l'impression, et ça a disparu, ça fait bon. Au revoir. C'est le cactus qui me... Ah, la combi percée! Ah, la combi percée, d'accord. Oh, bon. Putain, je vois les trucs tomber, là, dans le ciel. Ok, je vois. Allez, on y retourne. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête jamais. Où est-ce que c'est? C'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Là-bas. Je te vois. Je te vois, je te vois, je te vois. Non, pas toi. L'autre. L'autre! Fadou pour le sub, à ce coup. En tout cas, c'est vraiment des petites planètes, mais on se douterait pas qu'à l'intérieur de la planète, là, y a tout ça. Hein. Ok, où est le truc? Attends. Tac. Calmos, 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 mon bro, calmos, calmos, mon bro. C'est où? C'est pas là. Ça, c'est une autre entrée. Que je peux pas parce qu'il y a de la matière de merde là. C'est là. Là. Bonk. Et encore, j'ai pas fait la planète horrible, noironce là. J'oublie à chaque fois son nom. Tout le monde dit qu'elle est horrible celle-là. Oui, fais attention à l'atterrissage. C'est vrai qu'effectivement, il y a peu de chances que je redécolle. Hein. Vas-y. Hop. Hop. Son bronze. Ok. On branche un PTSD. Ouais, voilà, ça donne envie, quoi. On branche, ça donne envie, hein. Allez, allez. On ne s'arrête pas. Nous passons derrière. Faut attendre que le sable monte ensuite là-bas. C'est ma toute première session ever. Cool découverte, c'est écrit dans le titre. Tiens, celui-là. Ouais. Ok. Et là-bas, faut que j'attende. Quand le sable monte. Tranquille. Voilà. Et là, on se pose. À la cool. À la cool. Recharge d'oxygène. Mais comment je fais pour recharger l'oxygène? Je peux pas recharger l'oxygène comme ça? En tout cas, sinon, je sais pas comment faire.
vape un peu là. Petit cham. Il vous dédire à la ville. Oh non, c'est bon. Vas-y. Oh, il y avait les arbres avant. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. De la moitié. T'as connu comment ce jeu? Bah c'est assez connu hein. C'est assez connu hein. Du 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 du. Tu as combien de reset à peu près? Oh pas mal en vrai là. Je sais pas, une bonne dizaine je dirais. Allez. Petite douche de sable, faut faire gaffe. Ok. 7-8 facile. Elle tient un timer caché par l'overlay. Pas du tout, y'a rien qui est caché par l'overlay. Je crois que ça me fait pas mal de me prendre le sable. Je crois que ça va. Allez. Allez. Petit gommage, ouais. Dis l'oxygène, ouais, ça part vite, hein. Ok. 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 Allez. Allez. Putain! Non, merde, c'est pas là. Ah oui, si ? Non ? Je me souviens plus. Merde ! Ah, c'était par là. Oh merde. Oh, come on. Et là, c'était derrière. Oui. Ok. Y avait pas un texte au plafond ? J'ai cru. Ok. Et là, je peux pas y aller parce que ça descend, quoi. Oh, on est au centre. Oh, stylé. Ok. Alors, je trouve des arbres assez vite, hein. Ok. Ok. Nice. Nice, 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 nice. Et on est dedans. Oh là là. Générateur de distorsion. Retirer générateur de distorsion. Des trucs trou blanc, trou noir. Attends, je regarde juste un peu avant de faire de la full merde. Il me dit lancer un guetteur là. Ah, c'est de la merde. Ok, alors attends, ça c'est une porte géante. Parchemin. Attends. Déjà. Les enregistrements montrent des nomailles arrivant au récepteur de distorsion sur Gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou Blanc. Rami et moi sommes en train de mettre une expérience au point pour vérifier s'il s'agit d'un phénomène réel ou d'une simple erreur mécanique. Dans la théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement du temps négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et la sortie du trou blanc à ce point d'arrivée. Est-ce que ça pourrait pas inverser le sable? Je sais pas. Faits initiaux, notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre un ensemble au petit générateur de trou noir et un autre de trou blanc pour répliquer les conditions présentes à la station du trou blanc. Hypothèse, il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. D'accord. Ok, attends, je vais juste voir un peu là-haut. Enfin non, je vais faire ça dès maintenant. Attends. Je te lâche. Je te retire. Je te pause. Hop, raté. S'en fout. Putain. Putain. Allez, rangé. Lâcher. Tac.
Mise à jour, notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée, mais Pi reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir en renforcer l'effet, qu'il devienne apparent à des yeux nus. À cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Note pour Rami, Yaro demande à être prévenu avant que nous dérivions l'énergie pour l'expérience. Je ne voudrais pas le laisser dans le noir. Toute énergie disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. Rami et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée, je l'ai vu, Pi l'a vu, hypothèse confirmée. Extraordinaire ou bien, et bien au-delà, cela change tout. C'est un grand jour pour l'intersection entre théorie abstraite et l'application pratique. Tout ceci est bien réel, bien sûr. Oh putain. Ok. Ah, j'ai un autre parchemin, là. Ah mais genre, putain. Ok, alors attends. L'Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes, c'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Donc ça, c'est confirmé, effectivement, les voyages dans le temps, machin, tout ça. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Hypothèse, créer un intervalle de 22 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont aspiré l'énergie du soleil ou je sais pas quoi. Rami et moi, nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie. Un projet certes stimulant, mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de gérer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble ces nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Le seul endroit remplissant ces critères serait la sablière noire. Ok. Tu as bien dit qu'une telle énergie n'était pas courante, c'est poilant, Pi. J'ai pas compris. Ce jeu de mots, c'est un jeu de mots, j'ai pas compris. T'es involontaire, Rami, je pense que c'est toi qui... Ok, ok. Poilante, j'ai pas compris. Voilà, bref. Comment je fais pour poser ça? Non. Merde. Je peux poser ça, s'il vous plaît? Je peux pas poser. Je ne le veux plus dans la main. Ah oui, énergie courante. Ah oui, énergie courante. Allez, comme ça. Tac. Merci à tous. Tac, tac. Le projet Sablière Noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement sur le plan matériel. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la Sablière Noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. Si nous nous servions des tours de distorsion comme celles qui se trouvent sur la station du Trou Blanc, pour relier directement la Sablière Noire à chaque emplacement essentiel. Okrout et moi-même pouvons commencer à y travailler dès maintenant dans la forge du trou noir. Avec ça, on ne risque pas de s'ennuyer. Notez ceci, chaque tour sur la sablière noire mènera à une planète différente. Mais il n'y a rien sur la sablière noire. Mes remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis. Oui, le soleil n'est pas une planète, je crois que ce point a été suffisamment clarifié. Veuillez cesser de me le rappeler. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination de distorsion. Merci Razatel, je sais pas pourquoi ton message a pas été retenu. Par exemple, la tour de Léviat ressemblera à un cyclone. Oui, c'est ça. Nous pourrions prendre une montagne à geyser comme modèle pour celle d'Atrebois. Oui. Au niveau du sable, comment ça se passe? Merci à Razatel, c'est gentil. Donc ça, c'était la porte qui était fermée, et d'ailleurs... Mais non, mais ça sert à rien que je l'ouvre, parce que dans tous les cas, quand je vais revenir après, ça sera fermé. Après, ça me permet de sortir, si je veux. Leur question. Elle est là, ou pas? Il passe rien, là. Vas-y, on va faire des tests en bas et virer des trucs, je sais pas ce que ça va faire. Ah non, mais attends, mais il y a ça aussi qu'il faut que je fasse, là. Ça fait quoi? C'est une porte? Lancer un guetteur, ok. Ah, je pourrais me voir, en vrai. Ah oui, mais c'est ma combi que je vois. Il y a rien? À moins que... Attends. Pas trop ce que je suis en train de branler là, mais je le fais. Un peu de la merde, hein, j'ai l'impression. Merci Mandirage pour les 5 mois. Berthelami pour les 16 mois, merci beaucoup. Ok, bon, c'est pas ça.
Alors attends, comment je peux comprendre comment ça marche? Sachant que je suis très con. Générateur de distorsion. Là, il y en a où il n'y a rien. Il y en a où il y a des trous noirs. Et il y en a où il y a des trous blancs. Oui, dit Turin, hein, surtout. Si je mets un trou noir et un trou blanc. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Alors attends. Rire de droite. Ok, oui, ouais, c'est un portail. Hein. Et du coup, là-dedans, ça va juste le rejeter, quoi. Et voilà. Par contre... Alors, si je vire ça... Et que je mets Rin à côté... C'est pas ce Rin, hein. Et que si je mets deux trous noirs, là, c'est mort, hein, dans tous les cas. Oui, y a rien. Plus d'énergie. Probablement, ouais, mais... Du coup, là, c'est le seul truc où la combinaison est correcte, quoi. Vraiment ça, avec ça. Ouais. C'est vraiment ça. Faut peut-être que j'attende que ce soit la fin du monde, pour qu'il y ait beaucoup d'énergie. I don't know. Bizarre tout ça. J'ai mal à comprendre. Surtout pourquoi il y en a autant en fait? Pourquoi il n'y en a pas juste 3? Est-ce qu'il y a 3 types différents? C'est ça que je me pose comme question. Et genre si j'en mets 2 avec rien, je suppose qu'il n'y a rien quoi. Évidemment. Et rien avec un trou blanc, il y aura rien. Ouais, dites Rin, hein, bien sûr. Attends, je vais le garder, mais je vais... Bah, je vais laisser le seul truc où il y a quelque chose, quoi. C'est-à-dire ça. Aux mémo, hein. Je réfléchis. Hein. J'ai bien. Surtout, dites rien, s'il vous plaît, pitié. Laissez-moi galérer. Pitié, messieurs, dames. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que. Effectivement, quand un truc. Un truc sort du trou blanc. Oui, donc ça, ça, c'est les planètes, ça. Quand un truc sort du trou blanc, il sort plutôt qu'il n'est rentré dans le trou noir. Ok. S'il y a plus d'énergie, encore plus d'énergie, le truc va carrément sortir... Comment je fais pour mettre plus d'énergie, moi? Comment fais-je? Qu'une fais-je? C'est un jeu énigme? Bah alors là, il y en a une en tout cas. Après, j'ai l'impression que c'est ça qui donne l'énergie. Donc c'est ça qui donne l'énergie. Ouais, si je sors vite fait... T'es en train de la speedrun ou c'est moi? Oh non, pas du tout, non. C'est dommage que cette porte restera pas ouverte après. Je vais revenir. Parce que si je vais là, c'est quoi qui fait l'énergie de ça en fait? Ah, je sais pas, hein. Chep. Je sais pas si ça marche à l'énergie solaire ou à autre chose. Tac. Et là-bas, t'as une autre grotte. Et oui, là, le sable, de toute façon, est en train de prendre possession de toute la planète. Mais question, c'est comment ils ont fait pour construire et subsister sur cette planète-là, sachant que le sable fait que monter tout le temps.
À quel moment le sable se barre et va dans l'autre sens? Je pense effectivement ça marche comme un sablier quoi. Là, de toute façon le sable va bientôt arriver je pense. Hein. Oui, oui, oui. Oh oui. D'ailleurs... Ah, dites rien. D'ailleurs, si le sable, il rentre et il sort du trou noir à l'infini, comment ça se passe? Je ne sais app. Je ne sais app. Putain, mais surtout, je vais pas pouvoir retourner ici après, quoi. Donc, faut absolument que je... Ah, putain! J'avais pas vu ce truc-là! Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Oh non, je n'ai pas compris. Merde, qu'est-ce que ça fait? Oula! Il y a beaucoup plus d'énergie! Effectivement! Le truc ressort carrément. Ah mais sauf que... Au revoir Yves! À tout à l'heure! Et là du coup... Et là, du coup, c'est baisé, au revoir. Hein. Putain, dommage, j'avais pas capté qu'il y avait ça avant. J'avais pas vu. Je pense qu'il y en a pas de l'autre côté au-dessus, hein. Non. Mais du coup, ça confirme complètement tout ce qu'ils m'ont dit, quoi. Je l'avais pas vu, là. Oh, de toute façon, là, ça va être la fin du monde. Hein. Le soleil. Ah oui. Oh le soleil là. Oh, oh putain, mais c'est en dessous du sable en fait. Plus il y a ce vide le sable, plus il y a des trucs en dessous avec de l'énergie de ouf dessus, d'accord, la voilà. Oh la voilà. Ah oui mais là j'ai... Oh là là. Où est ma fusée? Mais de toute façon ma fusée là c'est... De toute façon ma fusée. J'aurais plus le temps de rien là. Je suis finito. Je suis fini là. Ma fusée elle est littéralement à l'autre bout de la planète. Et ça va être la fin en plus là. On va se prendre une belle supernova. Du coup vaut mieux que j'attende sur la... sur l'autre planète que ça descende quoi. Sur sablière noire. Merde. Oh non. Parce que là j'aurais jamais le temps de faire quoi que ce soit hein, de toute façon. Là c'est mort de chez mort. Merci Kyosiris pour l'année de sub tier 2. J'espère que tu vas bien. Ouf. Ouf. J'aurais jamais le temps. Oulala. Là là. Et la fumée? Quelle fumée? Calmons-nous, calmons-nous. Merci Captain Orgasme pour le Prime. Mugurama pour les 2 mois, merci beaucoup. J'ai quand même envie d'aller voir avec le peu de temps qui me reste. Oh putain, mais comment je vais m'en sortir? Merde, non! Oup, 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 oup. Non, putain, parce que je focus sablière rouge. Oh, Kyosiris. Merci beaucoup pour les 20 subs offerts. Wouah. Putain. Patrick Balkany. Merci beaucoup, c'est énorme. Merci beaucoup, Kyosiris. Pour les 20 subs offerts, très généreux de ta part, merci beaucoup. Attends. Ok, t'as un truc de TP ici. Oh là là. Ok, restons là-dedans le temps que ça passe. Ok. Et merci Sartre. Oh. Je suis où? 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 Je dois être de l'autre côté de la planète? Non? Non, je suis sur... Oh non, je suis là-dessus. Ah putain, je peux aller là-dessus avec ça? Ok. Ok, ok. Là, c'est pour y insérer un texte que je n'ai pas.
Ah, il est revenu le vaisseau. Ok. Ok, alors attends. Y'a pas d'autre chose? Je regarde un peu, hein. Merci Dragblast pour l'année. Yagonise pour les 2 mois, merci beaucoup. Là, t'as une des tours de mort, là. Avec une entrée, j'ai l'impression. Doucement, doucement! Doucement! Ok. Ok. Ok, à quoi ça me sert? Donc c'est ça toute l'énergie de Sablier Noir, mais comment l'exploiter? Enfin, toute la planète est complètement recouverte de sable. Donc ça, c'est la tour que j'ai pris pour monter, et ensuite ça fait tout ça. Ok. Il y en avait pas une autre, si. Oh putain, on va se faire submerger dans quelques instants, les amis. C'est soon la fin du monde, là. Il y en a une autre ici, hein. Il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3. 4. Et je pense que ça fait la même chose de l'autre côté, hein. Oui, j'entends la planète, j'entends... Oula, c'est la fin du monde. Regardez le spectacle, attention, dans quelques instants. Let's go, guys! Let's go! Ok. Du coup, qu'est-ce que je peux faire sur Sablier Noir? Merci Nakosan pour les 1000 bits. Merci beaucoup. Quel bonheur de redécouvrir ce chef-d'œuvre au travers de ton stream, Antoine. Je te souhaite de l'apprécier autant que Jai pu l'apprécier. Enjoy 3. Et le chat Ditrine. Ditrine, ouais. Mais attends, est-ce qu'on peut faire pause dans le jeu? Histoire que je réfléchisse un peu à 2-3 trucs. Sans que vous me donniez une réponse. Hein. Tac. Oui, on peut faire pause. Le truc, c'est. J'ai envie d'aller sur Sablier Noir le temps qu'elle se vide complètement de son sable. Là, j'y suis un peu allé, mais bon, quand je suis allé dans les tours, j'ai l'impression que ça servait un peu à rien. Vite fait. Par contre, sur Sablier Rouge, effectivement, le fait de mettre plus d'énergie fait que mon Getter est sorti plus tard, mais est-ce que ça me sert à quelque chose? Est-ce que ça me sert à quelque chose, ce truc-là? Je sais pas. Je sais pas trop, quoi. Ça servait à rien, hein, on est d'accord, hein, je pense. Hein. Je pense que ça servait à rien. En fait, le truc qui me manque maintenant... C'est le truc du Célacanthe, là. Mais cette histoire de Célacanthe... J'ai du mal à voir comment y aller. Faut peut-être y aller très vite, encore une fois, avant que le sable monte. Oui, c'est des questions rhétoriques, hein. Je me parle tout seul, bien sûr. Je vais réfléchir en anglais. Non, je vais pas réfléchir en anglais. Non, non, ça aurait aucun intérêt, là. Puis je suis pas bloqué en mode c'est horrible, putain, vraiment c'est chiant, help, tu vois. Non, c'est juste là, vraiment, je suis en full réflexion et c'est ça ce que je veux que tu fasses dans tous les cas. Bon. J'ai envie quand même de checker un peu là-dedans. Mode carte. Tac. Alors, Sablier Noir, du coup, qu'est-ce que j'ai sur Sablier Noir? Ouais, il manque des trucs. Les Nomai voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la Sablier Noir. Donc, il y a vraiment un gros truc sur la Sablier Noir, quoi. Station solaire. Les Nomai débattirent de son utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sablier Noir. Ça pourrait être le prochain objectif, en vrai. Oh, vas-y, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir ça. Attends, est-ce que je peux la voir depuis ici ou pas? Là. Ah putain, je peux pas la localiser comme ça. Putain, mais jamais je peux me poser dessus tranquille là-dessus. Je vais devoir me rapprocher, je vais crever. Je vais 100% crever, mais je vais le faire quand même. Let's go, guys. Putain, mais pour se poser là-dessus... J'espère qu'à la fin du jeu, ils te mettent le nombre de fois que t'es mort. Elle est là, je la vois. Ok, elle tourne de cette façon. La rocaille, on s'en fout. Au revoir.
Sablière noire, sablière rouge là-bas. En plus, j'ai l'impression qu'elle tourne vite en plus autour. Là, ça tourne super. Oh non, j'ai le stream. Elle tourne super vite autour. Mais jamais je l'atteins ce truc-là. Oh, mais jamais ça marche. Déjà, je n'arrive même pas à me rapprocher. Allez. On se rapproche. Atto l'a déjà fait, lui. Merde. Non mais je... Quoi ? Mais c'est pas possible. Non, c'est impossible. Il y a un autre moyen pour y aller, quoi. Il y a un autre moyen d'y aller, hein. Ouais, faut que je tourne dans le même sens, mais sauf que déjà c'est compliqué à piloter. Obligé. Obligé. Après, sinon, peut-être que si je m'éjecte de mon vaisseau, bien de merde, numéro 450, hein, bien sûr, mais si j'y vais à pied, on va dire. Alors peut-être. Pardon. Je te vois. Je te vois, connasse. Ok. Mais elle va plus vite que moi, elle va beaucoup plus vite que moi. Que... Jamais je me pose là-dessus. C'est impossible. Faut que je rentre en collision, ouais, mais sauf que si je rentre en collision... Ouais. Ouais, y a zéro progression à part le journal, ouais, c'est ça. Au pire, pose-toi sur le soleil quand il fait nuit. Putain. Hey guys, c'est maintenant. C'est bientôt. Oh, non. Non. Allez. Non, putain, mais on s'éloigne à chaque fois. C'est pas possible. Je me suis dit que peut-être que je pouvais me propulser. Pourquoi? Mais j'en sais rien, mais merde, mais laissez-moi tranquille. Ma fusée, elle est vraiment partie pas loin toute seule, quoi. Non mais c'est pas possible, la station, là. Ce n'est pas possible. Oh, elle est partie loin, ma fusée, là.
Vas-y, je vais tout épuiser, hein. Ouais, c'était une mauvaise idée de faire ça. Du coup, faudrait que je m'occupe de laisser la cante maintenant. Pas me foutre à poil, là. Allez, faut que ça descende plus vite, là. Putain, je suis tellement loin, maintenant. Ah, mais le truc avait carrément disparu. Quoi ? Un bug ? On n'est pas censé aller là, en fait. Hein. Le jeu ne comprend pas. Le jeu ne comprend pas ce que je fous ici. On est bien, là. Une roulade, mais j'arrive pas à le faire. Ah, c'est comme ça. C'est la merde. Allez. Oui, je sais. C'est ce que je voulais. C'est le jour sans fin. Là, on est bien, là. Ok, vas-y, maintenant je m'étouffe. C'est le jour de la marmotte, exactement. Non, je peux pas. Il y a un bouton reset? Non, je pense pas. Ok. Bon, bah on va faire le C50. On va avoir beaucoup d'étoiles dans le récapitulatif. Et voilà.